J'ai tout wainé pour elle. Sacrifice de sang. Et pour elle, j'ai sorti sang. Hello les panamoufers, j'espère que vous allez bien. Si t'es nouveau, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne sans oublier d'activer la cloche. Je me suis bien whiné pour elle. J'ai dit, moi-même, il n'y avait plus besoin de forcer. Même. Comment ça s'est passé? Je vous explique. Un week-end, par surprise, comme ça, il y a une pote qui m'a contacté et qui m'a dit, on a tracé mon anniversaire, pardon, faut venir, tu vois. Donc, du coup, j'étais en mode bang bang, c'est-à-dire bien frais, coiffé, élégant. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai constaté que l'environnement était pépère. Parce que déjà, c'était mes amis du primaire. J'ai commencé à faire mes blagues, animer la galerie. Tout était pépère. Je me suis vraiment amusé. Mais j'ai constaté que, ah, il y avait une petite qui me regardait trop. C'était pas comme les gens d'Abobo là. Les gens qui lapent leurs lèvres là. Genre, c'était les petits smiles. J'ai eu envie d'aller aux toilettes. Non, j'ai pas été aux toilettes. Et bizarrement, ma pote me dit que les douches de dehors sont occupées. Donc, allons-y dans la chambre. Genre, elle, sa chambre, au fait, je vais aller uriner. Qu'elle sait rien. Donc, je partais avec elle. Et sans le savoir, il y a la go là qui était derrière moi. Donc quand je suis arrivé dans la chambre de ma camarade et tout, elle m'a montré les toilettes. Je vois, je suis en train de griner. Un bruit derrière moi en fait. Donc du coup, je me suis retourné sans penser même que ma braguette était dehors en fait, tu vois. Et me retourne voir la petite. Et elle me dit, mais pourquoi tu me regardes? Jean, c'est pas pourquoi tu me regardes bêtement. Hein. Jean avec une sensualité façon là. Et parce que c'est ça. Donc du coup là, t'as un peu bizarrement, ma camarade elle est revenue. Elle dit, hey, pardonnez, quelqu'un d'autre qui est venu pisser, donc là, pardonnez, sortez. Donc quand on est sorti, on s'est changé les numéros chat. On a commencé à causer directement, dès que je suis rentré à la maison, t'es bien rentré. Donc ça a bien commencé. J'étais là en mode, comment tu vas et tout. Et puis moi déjà, je suis quelqu'un là, les gens m'aiment facilement et j'ai de la personnalité. Donc du coup, c'était pépé. J'essayais de voir ses ambitions en fait. Niveau ambition, la petite, elle est où en fait? Parce que moi, je vais pas me mettre avec une go qui n'a pas d'ambition. Elle a commencé à m'expliquer un peu. J'ai vu que, ah, vraiment, elle voyait loin même. Et j'étais content, j'ai causé bien. Elle a dit, ah, mais tu viens me voir quand? Moi, j'étais dépassé. Moi-même, je viens la voir quand? C'est pas elle qui a venu me voir. Ah, c'était une bonne idée. Donc, du coup, je suis parti la voir. On a fait les crêpes et tout, tranquille au cas. Je savais pas faire où c'est elle-même qui a fait. Et puis moi, je suis venu. On a daba pépé et tout. Et naturellement, les choses se sont passées. Et j'ai commencé à voir un peu dans son jeu, genre de la manière qu'elle voulait m'utiliser au fait. Quand il a vu ça, elle-même, elle a vu que tchèque, où on s'en va là. Franchement, c'est plus de l'amusement maintenant. C'est plus cette histoire de vous-même, vous voyez. C'est plus ça. Maintenant, ça devient quelque chose de sérieux. Plus ça s'est passé, et en tout cas. On a vu qu'il y avait du sérieux qui venait. Donc, elle m'a dit clairement que franchement, au stade où on est arrivé là, on doit essayer. Au fait, le sex friend, ce qui est compliqué dedans, c'est plus de deux fois, sincèrement, ça devient sérieux. Sinon, une fois en passant, c'est fini. Mais quand ça devient plus de deux fois, il y a forcément une personne qui est au-dessus et l'autre est en bas. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Tu as oublié de mettre le truc à niveau. Moi, il ne me connaît pas bien. Donc, pardonnez, laissez-moi. Dieu merci. La petite l'a compris. C'est-à-dire, c'était pas en mode oh, pardon, faut laisser ça. C'est passé, puis c'est fini. C'était pas ça. Parce qu'elle-même, elle est tombée dans son jeu. Moi, je suis tombé dans le jeu. Donc, du coup, on a commencé à avoir un peu plus d'affinité. Elle me disait qu'elle aimait bien le sport. Et puis, dans cette période-là, moi, j'avais commencé le sport. Et comme elle était à la Riviera, se déplacer pour venir dans ma salle de sport, on faisait le sport ensemble. Non, moi, il était, en tout cas, en ce moment-là, il était malheureux. J'ai dit, il était au paradis, tellement tout était au calme. C'est-à-dire, tu n'as pas besoin de forcer parce que vous deux, vous êtes tombés dans le même piège et tout. Voilà un peu le niveau où ça a changé un peu. Elle vient me dire quelque chose à se dire. En ce moment, on n'était pas ensemble. Mais genre, c'était sur la voie. Donc, elle me dit que, ah, une fois, je suis parti à l'hôtel Ivoire. Je suis allé kiffer avec mes amis et tout. Il y a un monsieur qui, finalement, m'a vu. On a pris un café ensemble et tout. Et genre, tu vois, on discute vraiment ensemble, genre, tu vois. Donc, lui aussi, il voulait ça. Elle m'a un peu plus expliqué dans les détails. Elle m'a dit que, ah, avec le monsieur, c'était juste passer du temps ensemble et puis genre tu vois les bails se passaient. Le gars s'il n'était pas sérieux en fait, c'était juste bon tu vois quand il vient peut-être en mode Abidjan, en mode bang bang tu vois. On a vraiment eu à discuter de ça en fait. Quand tu veux enlever quelque chose dans quelqu'un ou bien peut-être la personne est déjà habituée à ça, tu vas pas venir dire que non la personne là c'est un monstre, détache-toi de cette personne. Sinon toi-même tu perds les points en fait. Donc du coup moi je l'ai compris, on a essayé de planifier des choses. Comme elle-même elle avait de l'ambition et qu'elle recevait, genre tu vois, le monsieur lui faisait des petits cadeaux, les bails quoi. Donc elle a essayé de réaliser certaines choses d'elle-même. On est partis nous deux ensemble, c'est-à-dire, pas, quand je dis on est partis nous deux ensemble, c'est-à-dire moi je lui ai donné les idées, elle a pu établir ce qu'elle voulait et elle a commencé à monter un peu ses choses au fait. Elle a commencé à monter un peu ses petits projets et tout, et par la grâce de Dieu et avec Internet, ça marchait un peu bien, elle a vu que, ah,
franchement, c'était pas forcément lui qui était mon ange gardien en fait. Moi-même, je pouvais faire des choses que j'allais être rémunéré. Donc ça commençait à rendre Wei solide. Et le monsieur en question, elle me montrait les messages. Le monsieur en question a vu que la petite n'est plus trop gamine. Il a commencé à tu es avec qui, tu vois plein de questions. Moi, mon cœur battait pas au fait. Quand tu vois ce qui est devant toi, vois le niveau du monsieur, tu dis toi-même, tu as la chance d'avoir ça. Toi, au moins, tu as mangé. Il y a des gens qui n'ont pas mangé. Sincèrement, elle lui a expliqué que parce que, c'était pas l'ego, tu vois, l'ego hyper matérialiste qui vont dire que non, si lui, il me donne pas ça. Et puis, il y a une chose que je voulais préciser. Chez certaines filles demandent à ce que tu les entretiennes et tout. L'entretien, là, c'est les parents qui font ça. Quand tu vois le statut de ton petit copain et tout, si vous avez des projets ensemble, c'est plus mieux que de dire on n'est qu'à t'entretenir. Non, mais franchement, changer. Moi, en tout cas, elle, sa mentalité m'a vraiment plu. Et je me suis dit que non, je ne pourrais pas la laisser, au fait. Même si elle est laissée là, mais on doit être amis. Elle-même, elle a expliqué le projet au monsieur. Le monsieur a dit que, en tout cas, c'est quelque chose de bien, au fait. Donc, en tout cas, moi, je te souhaite bonne chance. Moi, je voyais les messages. Déjà, une go même qui te dit que toi-même, tu peux mettre en pointe sur son téléphone, tu as accès à... Mais toi-même, tu as peur de quoi? Parce qu'en ce moment-là, c'était pas une go, mais en tout cas, elle avait ça. Elle était vraiment bien. En tout cas, on dit ses comportements en mari. C'est pas beauté en mari. C'était vraiment bien. Donc, dans cette période, moi, je suis passé de sex friend au titulaire. Donc, quand les autres venaient, les autres essayaient de tout... Moi, je voyais tout ça parce que moi, j'avais WhatsApp web. C'est-à-dire que c'est vrai qu'elle me donnait son... Mais moi, j'avais WhatsApp web. C'est-à-dire que j'arrivais à avoir ces discussions... Et tout, je voyais comment elle se comportait. Voilà le truc, même romantique, même non, moi ça m'a touché. J'ai fait 2 à 3, je suis pas parti en salle, elle est partie en salle, tu vois. Et le coach demandait, attends, mais ça fait 2 jours, vous venez pas là. Lui, il vient pas, il y a quel souci. Lui, il savait même pas que on gérait. Il dit, ça fait que tu vois, c'est quoi le bail. Elle dit que, il m'a dit qu'il est malade et tout. Un soir, il lui a envoyé un message, tu fais quoi? Elle dit que, je suis en salle, ils sont en train de faire sport. Les gens devaient tapis vélo. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Pour mon taxi, je suis venu vers la salle. Et puis, il était devant. J'étais un peu éloigné d'elle. Et puis, il a dit qu'il y avait la boutique là. Il a dit, la petite là, léchée de tapis vélo. De façon, elle a bourru pour venir vers moi, pour venir m'embrasser. Il a dit, moi-même, non, il a pas venu. Il a dit, moi-même, il était là, il n'y avait pas les mouillés, rien son. Il a dit, donc c'est toi qui fais les. Tout le monde m'a remarqué dans la salle. Il a dit, tellement elle a bourru. Elle venait vers moi, comment me dit, oh, mais il n'y a pas, mais ça vient, mais moi, mais il dépasse. Ça s'est passé quand il a dit, les gens m'ont regardé, je suis allé, il a dit au code que, mais c'était pas bien et tout. Et puis finalement, il a su que elle et moi, on gérait. C'était vraiment bien. En tout cas, ce fut, en tout cas, une relation vraiment. C'était vraiment à l'aise. Et voilà, c'est la fin de cette story time là. Franchement, moi, j'aimerais dire aux filles, quand tu vois ton petit mongo, il n'a pas encore quelque chose, tu vois que vraiment, lui là, tu sais que c'est jusqu'à la gare. Pardon, faut savoir te comporter. Cette histoire de matériel et tout, c'est éphémère. Changer de mentalité, garçon aussi là. Lui-même, il va changer de mentalité lui-même. Quand il voit qu'il aime, c'est fini. Passez une bonne soirée.